Le laboureur et ses enfants. Ça tombe bien, vous êtes tous là. Un laboureur sentant sa mort prochaine. Mais rassurez-vous, il ne va pas mourir vraiment. Au théâtre, quand quelqu'un meurt, on croit que c'est vrai, parce qu'on sait très bien que c'est faux. J'ai la rate qui dilate. Oh, c'est vrai? L'estomac est pas droit. Ah bon? Le guibole qui flageole. Et quoi d'autre? J'ai le thorax qui se désaxe. Un laboureur sentant sa mort prochaine, donc, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que vont vous laisser vos parents. Aïe, oui, aïe, 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 oui, 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 oui. Un trésor est caché dedans. Un trésor? Où ça, papa? Où ça? Il est où, le trésor? Je ne sais pas l'endroit. Mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Creusez, fouillez, bêchez, pinez, ratifiez, semez, récoltez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Et moi, je trépasse. Le père mort. Les enfants vous retournent le champ. Ils creusent. Ils pêchent. Ils binent. Ils ratissent. Ils sèment. Ils récoltent. Si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de caché. Mais le père fut sage de leur apprendre avant sa mort que le travail est un trésor. Travaillez, prenez de la peine. Le trésor est caché dedans. Musique.